Bon, l'idée c'est que avec cette portée-là en serrant, en fait, ça vient. Enfin, ici je dois être à un dixième en dessous de la côte, que ça vient en fait tirer le mandrin pour le coller sur cette face-là. Ok, donc là on a à peu près un centième, moins d'un centième de serrage. Et ici, on est pile poil. Enfin, c'est pile poil. Donc, à 7 tonnes. Hein, dégraissage. Hop. Je vais chauffer un peu. Excusez-moi, je Moi, je suis pas bon, mais je vous rapproche. Donc, comme j'ai prévu là, ici, j'ai un petit dixième. Donc, on va voir si ça se monte. Enfin, j'ai dû travailler vraiment en bout de course, hein, parce que vu que c'est un banc rompu, en fait, voilà quoi. Ici, c'est mon lardon de réglage. J'ai dû vraiment être en banc de course, au bout de course, pardon. Donc là, le petit chariot, hein, il était au fond. Ce genre de porte-outil à 30 degrés m'a beaucoup aidé. Parce que voilà, ça permet déjà que là, d'excentrer vraiment bien comme il faut. Hein, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Attendez. C'est du tripant. J'ai acheté ça une misère il y a un moment. C'est vraiment pas mal, hein, ça. Bon, logiquement, c'est censé être comme ça pour pouvoir faire des alésages. Mais c'est la fonction prime sur le grade de toute façon. Donc il est là pour charioter, pour faire des trucs. Donc on s'en fout dans quel dossier. Enfin, à la limite de la sécurité quand même.
Excusez-moi, j'ai dû vous toucher. Donc, voilà. Le problème, c'est que hop, on bloque la volée. Hop là. Lui, il va emmerder. Bon, j'ai vu un peu serré. Peut-être. Voilà. Il faut que je retouche un peu le filetage, peut-être, je sais pas.